Salut à toi, c'est Kakaroto. T'as commencé à retrouver par les petites vidéos tuto sur une de mes premières courses de moto. Là, j'ai te fait la version simple parce que j'ai refait la version de la moto dure. Donc, tu vas voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bonjour, je se retrouve pour une petite vidéo sur un petit nouveau circuit de petite moto que je fais. Les beaux circuits de Kakaroto. Alors, on va voir combien de temps j'ai pu le faire. Comme ça, en même temps, je vous montre comment le faire. Allez, c'est parti. On passe là, on passe là, on passe là. On passe là. Bon, y a rien de compliqué. Y aura juste deux petits endroits délicats. En espérant que j'y aille passer rapidement. Ce sera bien, comme ça durera pas trop longtemps. Hop. Non, on passe comme ça, comme ça, comme ça. Hop, hop. Le petit endroit, le premier délicat, il est là. Bah oui, ça tombe. Il faut trouver le bon timing pour lever la roue, pour accélérer, pour faire le bon dosage. Faut bien se mettre droit. Ça ne va pas aller. Et voilà, on est monté. Vous voyez, c'est pas difficile. J'ai fait un essai. Le premier essai, il a fait capote. Le deuxième essai, il est passé. Parce que Kakaroto, il est très bon. Ah, ça c'est des conneries. Hop, 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 hop. Bon là, il n'y a rien de difficile, faut passer là, pour faire le petit tour, hop, 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 on monte, petite accélération, pom, 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 pom. Hop, on a réussi, hop, 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 là, petite accélération, un petit tourné, oh, j'ai pris une échelle dans le figure, hop. Ah ben non, ben qu'est-ce qu'il a fait, Kakaroto, il a fait que des bêtises. Ah oui, il est trop pressé, il veut le finir le plus rapidement possible. Hop, 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 hop. Non, monte. Pourquoi tu vas pas monter? Allez, hop, hop. Mais non, Hop, ça monte, 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 ça monte. Hop, hop, on est monté. Vous pouvez passer de l'autre côté, hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de piège, faut juste monter, monter, monter. Ça piquait du nez, ça piquait du nez. Il faut monter, monter, monter. Montons, montons. À l'échafaud. Montons, montons. Nous espérons pour mon pompon d'éterrer le bout, 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 bouchon. Allez. Ah non, je suis tombé. Pourquoi je suis tombé? Bah parce que j'étais trop pressé. Ça pue. On peut passer par là. Je vous montre. Hop. Il n'y a pas de délire. Ah oui, mauvais sens. Pourquoi je suis dans le mauvais sens? Tu crois que je suis dans le mauvais sens? Mais non.
Hop, on arrive ici. Vous voyez, hop, on peut passer des deux côtés. Il n'y a pas de polonais dans ces côtés. Oh, que c'est tout beau, tout rose. Donc le circuit il est pas difficile en lui-même, il y a juste deux pièges comme je vous le disais. Donc le premier c'était au petit bloc de béton rouge et blanc. Il fallait bien doser son accélération et son lever de roue. Là ici c'est relativement simple. Hop. Là on passe par là, on remonte, on lève un peu la roue, hop, hop, à fond. Là, on va arriver au deuxième petit problème délicat. Donc, hop, 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 hop. Là, on est là. La caméra, elle va bugger. Pour ça que je vais aller un peu moins vite que tout à l'heure. Vous voyez comment je me mets la caméra? Vous la mettez comme ça. Elle vous tournerait mieux. Pas trop se presser non plus. Pas tomber parce que vous voyez quand vous mettez comme ça vous voyez pas la roue à l'avant, donc vous mettez un petit peu sur le côté et ça passera nickel. Hop, là vous arrêtez, là vous levez la roue, un petit levage. Vous accélérez pas trop. Là, vous pouvez attendre un peu ici. Hop. Et vous accélérez. Voilà. Je suis passé les doigts dans le nez. Si vous suivez bien ces petits conseils, vous passerez nickel. Et hop. Et là, on accélère. Hop là. Hop là. Hop là, boum, c'est le roi des pains d'épices. J'ai fait des sauts, des sauts, des sauts. Et là, vous accélérez à fond de boulette. Pom 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 pom. Oh la belle-mère, quelle est beau la mer. Le sable est mouillé, la moto roule sur le nez. Hop là, hop là, hop, 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 hop. On ralentit un peu ici quand même, hein, parce qu'on va pas aller trop vite, hop. Hop là, hop. Faudra pas tomber dans le loulou. Hop, 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 hop. Et là, on arrive là, on arrive là. Hop, on accélère un peu. On freine pour éviter de tomber. Ce que c'est le nez sur les rochers. Hop, hop, hop. 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 Ah, il a fait le con, caca, auto. Je voulais le mettre sous la pluie, mais je sais pas, il veut pas que je le mette sous la pluie. Alors que quand je l'ai testé, ben j'étais sous la pluie. Hop, et là, à fond de ballon. Mouin, 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 mouin. Mouin, 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 mouin. Et là, on fait petit planèche. On fait petit planèche. Et on va s'atterrir dans le narbre. Et ben voilà. Vous voyez comme ça fait du bien. Il y a un arbre sur une colline. Il faut que je me le tape. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Hop là. Hop là, c'est passé. Et une charrue. Et voilà, donc le circuit en combien de temps je l'ai fait?
Et il est tout frais de ce matin, je vais uploader la vidéo, je vais vous la mettre sur le Internet. Et je vous mettrai le lien en description en-dessus de la vidéo. Alors, Kaka, il a fait combien sur le circuit? Premier temps de référence? 9 minutes 11. Donc, c'était bon, on valide. Allez, à plus tard, les gars. Ciao, ciao, c'était Kakaroto.